Salut les copains. J'ai eu envie de vous emmener à la fête à Neuneux. Bah oui, parce que quoi de mieux que de fête foraine. Tous les people sont là pour l'association Le Cœur des Anges, que vous connaissez certainement. Ça va être dingue. Oh, quel succès, quel succès. Vous les copains, dès qu'il y a fête foraine, vous êtes là. On est des bébés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a de la barbe à papa, des pommes d'amour, des glaces et des jeux, on est là. Le Cœur des Anges, le but c'est quoi? C'est d'aider les enfants, ils ont besoin justement de se faire connaître pour ça. Je pense que c'était le bon endroit pour faire reconnaître cette association. En tous les cas, il faut vraiment les aider, eux et toutes les autres. Un maximum pour que justement ça puisse tourner, pour que l'association puisse rendre encore plus d'ampleur. Ça c'est important. Bonsoir Alain, mais vous étiez où? Vous nous avez manqué. Oui, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses pour les adultes aussi. Alors les enfants, ils étaient au repos. Les adultes? Ouais, j'ai fait des choses de folie. Mais non. C'est vraiment vrai? Ah ben oui, bien sûr c'est vrai. Des spectacles érotiques. J'avoue, ce soir, c'était peut-être pas l'occasion de... Ouais, il y a plein d'enfants hein, quand même. Bon, je suis timide. Sinon, non, avec Franck des To Be Free, des Chris des G-Squad, on monte un boys band. Mais non. Truc de folie. Génération Boys Band sur Facebook, vous pouvez y aller. Merci beaucoup Alain. Lucienne, je suis ravie de te retrouver encore une fois au parc d'attractions. Bah bien sûr, hein, c'est tellement agréable. On est jeune, hein, 38 ans. T'as très bonne mine. Oui, oui, oui. On est dans le noir. J'ai entendu dire qu'il y avait un clip et une chanson. C'est encore pas tout de suite. Hein. C'est top secret. Voilà. On reste connecté pour suivre l'histoire. Voilà. Et bah merci beaucoup. De rien. Et j'ai retrouvé où est Charlie? Et bah il était là. Charlie. Pourquoi tout le monde m'appelle comme ça? Bah parce qu'on te cherchait tous. Vous m'autorisez à m'asseoir à votre table? Oh là là, j'adore. Sincèrement, vous êtes venu pour vous envoyer en l'air ou pour la bonne cause? Pour la bonne cause. C'est quoi votre attraction préférée? Le loopé qui fait deux tours. Yeah. Bah donc voyez, vous êtes quand même venu un peu pour vous envoyer en l'air. Je passe partout et je suis très content d'être ici ce soir pour la bonne cause. Moi j'ai très envie de m'envoyer un peu en l'air. On n'a pas le droit de dire sextoy, envoyer en l'air, deux minutes. Mais dans la bonne humeur, parce qu'on est ici dans ce la, soir. Dans la bonne humeur, dans la chaleur, dans la fête à Neuneux, pour moi c'est la première fois. On s'amuse, mais on est là pour la bonne cause. C'est vrai qu'on va pas oublier quand même l'essentiel. Il y a une cause qui est défendue par des gens extraordinaires. Il y a quand même Charlie de Où est Charlie? Il est là. Je crois que j'ai une touche. Bonsoir, monsieur Alibi. Déjà, comment ça va? Bah, ça va bien, ça se voit pas. D'autant plus que ça a un rapport avec les enfants, que quand ça touche les enfants, je me sens doublement, triplement concerné. Mais ce soir, on est tous un peu des grands enfants, non? On a tous des enfants en nous, mais certains le laissent sortir et d'autres pas. Je crois qu'il y a des moments où on doit tous les laisser sortir. Ah comme bah, ce soir, on est tous de sortie, je crois. On est tous de sortie ce soir. On a 10 ans et demi à nous tous. Hein. Même un peu moins, même. Mais moi, j'aime bien le côté frisson. J'aime vibrer. Me faire peur. J'aime vibrer. J'aime quand c'est chaud. Ouh là 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 là. On m'appelle. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être chaud. Pourquoi me regarder d'aussi loin? Alors là, je suis en train de vivre un truc. J'ai peur. Waouh! Oh mon dieu! On peut dire que vous avez le feu, vous, hein? Je mets le feu. Alors c'est le responsable de la sécurité. Il y a un mec quand même qui a essayé de me mettre le feu. Et il a réussi. Félicitations. Déjà bonsoir Nico. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et toi? Comment tu t'appelles? Ah non, c'est toi qui pose la question. Tu passes dans les Folies de Marion, ça te fait quoi? Eh ben les Folies de Marion, franchement, je pensais pas. Mais c'est un truc de fou en fait. Je m'en remets à peine. C'est quoi cette couleur de cheveux? Oh putain. Ça c'est une folie. Je voulais du bleu, sans tromper. Que les gens croient souvent que je suis chaud. Même ma mère, elle m'avait des cheveux, elle me dit des cheveux. Mais maman quand même. Je ne suis pas chauve maman. La prochaine couleur c'est un scoop, mais c'est blanc. Oh, attends, est-ce qu'on parle un peu de la fête foraine ou Non, on continue à parler de cheveux. Ah d'accord. J'aime bien, c'est les messages brésiliens. Moi, la fête foraine, en fait, je suis pas peureux du tout, en fait. Mais j'aime pas les manèges où tu subis. Ouais, donc t'es peureux, quoi. Ouais. Non, c'est pas de l'ange, j'ai pas peur. J'aime pas être maltraité. Et pourtant, t'es sorti avec Nadège quand même. Ça, c'est dangereux aussi. Tu t'es fait maltraiter un peu ou pas? Non, pas autant que ce qu'on voit à la télé. Après, c'est le montage qui veut ça. Bon, bah, bisous, amuse-toi bien. Et là, la super chérie. Ils sont dans l'appareil. Là, ouais, ceux qui sont assis seuls. Maintenant on y va ou pas? Ouais. Ok. Allez maintenant on y va. Cette soirée là, à quand même que c'est commencé. On est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste on lâche un dernier pas. Avec bien un petit signe de phare dans le sable. Attends vous jouez, il y aura plus longtemps après. Bon les copains, j'ai désormais plus de micro. Est-ce que j'ai postionné? En tout cas ce qui est sûr c'est que je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres folies encore plus folles. Bisous.